la ville s'est beaucoup redessinée en l'espace d'une dizaine d'années et aujourd'hui elle continue sur une trajectoire extrêmement forte. Pour parler simplement chiffres sur les projets que nous présentons au MIPIM, nous sommes à peu près sur 5 milliards d'euros. Donc cela donne une idée évidemment de l'investissement sur Lyon, que cela transforme la ville. Alors cela lui donne à la fois plus de puissance, mais en même temps plus de qualité de vie, parce que nous voulons chaque fois que la ville devienne plus belle, plus agréable à vivre. Nous savons que l'atout majeur de Lyon, par rapport à des villes qui sont plus grandes que nous, c'est la qualité de vie. Lorsque les entreprises européennes ou du monde entier veulent venir, en général, elles viennent avec leur staff et leur demandent si effectivement ils veulent être là. Et donc la qualité de la vie dans une ville est aujourd'hui un atout fantastique. Nous faisons en sorte que même dans des grands projets comme la Part-Dieu, on puisse avoir le souci du paysage, des espaces publics, de la revégétalisation de la ville. Le projet de la Part-Dieu est incontestablement le projet phare. Pourquoi ? D'abord parce que aujourd'hui, c'est là où déjà sont concentrées les entreprises. Nous avons à peu près 1 million de mètres carrés de tertiaire d'entreprises autour de la Part-Dieu. Et donc l'idée, c'est de porter à 1 600 000. Mais aujourd'hui, c'était un quartier qui était un quartier de passage où on venait au bureau, mais où il n'y avait pas de vie. Et donc nous allons construire des logements, nous allons construire des boutiques et faire qu'on ait envie de se donner rendez-vous entre amis à la Part-Dieu.